va? Bah ça va. Bah tu vois, aujourd'hui je m'essaye un petit moyen hein, ouais. au slide, mais surtout au bohémien. Ouais, je vois ça. Donc. Tu vois un petit bohémien, bah bien sympathique. Hein. Ça c'est le haute sauce, hein, ouais. Avec deux P90 dessus. Hein. Donc voilà, il y a d'autres bohémiennes avec des montages micro totalement différents. Hein. D'ailleurs, ils portent tous des noms super sympas. Et il y en a un autre qui a un seul P90. Là, on est bien sur la version 2P90, tunomatique, sélecteur 3 positions, un volume, un aigu. Et ben voilà, c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est une guitare cigar box, on va dire, hein, plutôt teintée blues. On peut, là, je suis en open 2G, mais évidemment, on peut la jouer comme vous voulez, hein, dans tous les systèmes et les open possibles. Ça sonne pas mal, c'est équipé comment là-dedans, Pascal ? Eh ben, c'est un corps creux, tout simplement. On peut enlever donc le bouchon pour avoir pour avoir encore plus de creux au et niveau du. On peut mettre quelque chose dedans si on veut. Hein. Ah ouais ? Oh là là, ben ça genre le truc là sur scène, c'est plutôt peinard. Hein. Une petite soif et d'un coup on ouvre le bohémian et vous mettez de l'eau à l'intérieur évidemment, hein, pas autre chose. Hein. On est d'accord. Ouais, donc, et ensuite, là-dessus ? Ensuite, bah, écoute, pas grand-chose d'autre. Hein, les deux P90, un tunomatique avec un stop-bar, manche en érable, et voilà, quoi. Ouais, très simple. Hein, donc, le bohémien, en fin de compte, qui sonne. Hein. On a vu des grands monsieur de la guitare hein, jouer avec ça sur scène. Hein. Ouais. Ça me rappelle Billy Gibbons, on l'a vu monter sur scène avec un bohémien. Avec tout le talent qu'on lui connaît. Donc voilà, c'est une guitare super, super sympa. C'est vrai qu'en Open 2G, bon, je dis toujours, moi, l'Open 2G, c'est toujours problématique puisqu'on a toujours un bourdon. On connaît quelqu'un qui connaît ça par cœur hein, et puis qui, lui, faisait ça. Il enlève sa corde, lui. Ben, le problème, encore une fois, c'est qu'on va avoir de la pollution sonore sur cette corde. Voilà. Et c'est un fait que là, d'un coup, le bohémien, version Keith Richards, ça a quand même plus de gueule. Ouais, bah ça marche plutôt pas mal, hein. Donc tu vois que pour un prix modique, parce que c'est une petite bête hein, qui va se trouver dans les 290-300 €, hein. À savoir qu'il y a une housse qui est vendue à part, mais qui est vraiment splendide, hein, un case hein, qui est superbe, qui est vendue à vert. Il y a plein de modèles différents, donc on va avoir deux têtes, je ne m'en rappelle plus, il y a haute sauce. T'as un motor oil avec deux doubles, plein de petites choses comme ça, équipées avec des simples, des doubles. Il y a un peu toutes les configurations possibles. Ouais. Alors vous pouvez jouer un tas de trucs, hein, vous pouvez jouer même normalement avec la corde demi-montée, ça c'est pas du tout un souci. C'est une bonne guitare. Sachez aussi que Monsieur Bohémian ben fait des ukulélés, et ouais, et des basses. Ce qui fait qu'on a monté un groupe, hein, ben voilà, un bassiste bohémian, un guitariste, voilà. Enfin, venez l'essayer, c'est ça le mieux. Hein. Déjà, en plus, c'est un super objet de décoration, je trouve, hein, parce que c'est quand même pas mal. Et venez l'essayer et essayez d'adopter. Ciao, à plus.